lundi matin. J'espère que vous allez bien. Maxa, comment ça va? Top shape. Top shape, on a droit à un sixième match à série mondiale. Les Braves n'ont pas été capables de mettre le clou dans le cercueil hier soir. Ouais, j'ai été surpris, moi, de ça, parce que commencer la game avec un grand chelem, puis perdre le momentum à domicile, j'ai été bien surpris. Ouais, ça a l'air comme glissé entre les doigts. La paix, c'est que j'ai dit à des amis qui étaient à la maison, j'ai dit, il arrive trop de bonheur, ce grand chelem-là. Tu sais, ils ont le temps de revenir. Là. Ils ont 8 présences au bâton pour venir puis gruger l'avance. Arriver en 5e, 6e manche, prendre une avance de 4 points, j'aurais dit, OK, là ils viennent les mettre dans les câbles. Là, avec un grand chelem en première manche, ça a comme donné le temps. Les Astros ont l'expérience. Ils n'ont pas peur de ça. Fait que ça ne me surprend pas tant que ça, que ça n'a pas eu l'effet assommoir de finir le match là, en première manche. Oui, j'avoue. Mais sûrement que ça va peut-être te sonner une petite cloche, mais moi, je me rappelle en 2004, il y a une série, c'était comme 3-0 pour une équipe. Je pense que c'est les changement de sujet. Là, on est arrivé au 7e match, puis Johnny Damon, il y a un grand chelem, mais c'est au début de la game. Un autre, en tout cas, il y a eu une couple de circuits au début de la game. Pourtant, le momentum n'a pas changé. Jeff, juste te dire qu'on a un invité hyper intéressant, puis je pense qu'on est mieux de laisser du temps à lui. Je vais juste te dire ça. Je suis 100% d'accord, mais je sais pas, ça me fait plaisir de le rappeler. Je veux juste, pour vrai, juste avant d'aller le rejoindre, je veux juste, en fin de semaine, j'ai hâte de voir les résultats. Il y a eu le tournoi e-sport de l'Ontario et de l'Est du Canada. Il y a eu une quarantaine, pas loin de 50 personnes en Ontario, puis une quarantaine dans l'Est. J'ai vu que le tournoi a eu lieu, j'ai pas vu les résultats, mais ça a bien été de ce que ce que j'ai vu. Celui du Québec, c'est dimanche prochain, le 7 novembre. On a encore le temps de s'inscrire, ceux qui veulent. On est à une quarantaine d'inscriptions, justement. Martin, je pense que tu as le lien, fait qu'on va pouvoir le mettre sous la vidéo sur Facebook. J'invite les gens à s'inscrire, à aller s'informer au moins. Puis, c'est des beaux tournois. Les meilleurs de chaque province vont s'affronter dans un autre gros tournoi qui est la semaine suivante. Donc, un championnat canadien, c'est quand même super cool, organisé par Baseball Canada. Excellent. Yeah. J'invite les gens à nous voir. Premièrement, allez vous abonner sur notre page Facebook Show du matin, de plus en plus nombreux. On met des vidéos, on met des choses qu'on ne met pas sur BQ. Donc, Show du matin sur Facebook, tous les bons sites comme Spotify, Apple, on est là à partir de midi. Ceux qui veulent nous écouter en audio, on est live. Pas live, mais on est présent. Donc, on est partout. Allez vous inscrire, allez vous abonner. On prend 5-6 secondes. On va se connecter avec JC Masson ce matin, un gars que tu connais très bien. J'ai eu la chance de l'avoir en entrevue 2-3 fois aussi pour le podcast dans les derniers mois. Voyons, excuse-moi, gorgée de café. Dans les derniers mois. Et c'est ça, fait qu'on va le retrouver. Il vient de finir sa première année professionnelle, fait que je pense que ça va être super intéressant. On fait une petite pause et on va le retrouver. Monsieur Masson, comment ça va? Super bien, toi? Ça va bien. Je viens d'avoir de la misère à prendre ma dernière gorgée de café, mais ça va. JC en feu. En feu, certain. Content d'être là. Merci de l'invitation. Ouais, t'as l'air plus réveillé que moi. T'as l'air en forme ce matin. Ah, ça va bien, ça va bien. Je viens de revenir à Québec. Fait que c'est toujours le fun de retomber dans sa maison et avec sa famille. Fait que j'ai beaucoup d'énergie en ce moment. Puis hâte de commencer mon off-season. Ouais, c'est quelque chose que les gens peut-être sous-estiment, là, mais revenir à la maison pour un jeune homme comme toi, manger de la nourriture de maman, pas être à l'hôtel, ça fait une grosse différence, hein? Oui, c'est sûr. C'est la première fois que je suis parti le plus longtemps de la maison. Ça fait 7 mois au complet que je vis dans des chambres d'hôtel avec des roommates, et manger dans les restos le soir. Fait que j'adore ce mode de vie-là, mais tu sais, en revenir à la maison puis justement manger le spaghetti de sa mère, ça fait du bien. Poutine Ashton aussi, que je me suis gâté. Fait que, c'est toujours le fun de revenir au Québec. Là. C'est mon bonne plug publicitaire, là, c'est excellent. J'ai envie que tu parles de ça parce que je suis pas mal certain que c'est un phénomène pour les jeunes de sport-études et même, je dirais, ben, l'académie, Max. Partir longtemps comme ça, comment qu'on s'adapte à ça? C'est pas évident, pareil. Toi, t'es venu à l'académie, t'as quitté Québec, t'es venu à Montréal, t'as comme vécu ça non. comme... Non, même pas? Non, il est resté à Québec tout le temps. OK, JC. Okay. Ouais. Je pensais qu'il était venu à l'ABC, excuse-moi. Mais comment est-ce que tu t'es adapté d'abord dans ce cas-là pour les jeunes justement qui vont partir de Québec, aller dans les collèges directement sans passer par l'ABC? Ah ben c'est sûr que... Je pense qu'il ne faut pas s'attendre nécessairement des périodes de temps longues, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. C'est sûr que ça va être une adaptation, mais je pense qu'il faut le voir comme une période d'apprentissage, puis c'est une opportunité de grandir en tant que personne aussi, tu sais, d'apprendre à vivre seul, à vivre loin de ses parents, à prendre des responsabilités. Fait que c'est sûr que peut-être des fois au début, certains vont trouver ça plus difficile, mais c'est une étape à passer, je pense, puis ça te fait grandir, puis
Après que tu l'as fini, je pense que tu es super content puis de l'avoir fait, puis ça te donne plus d'outils à ton arc. Pas juste en tant que joueur de baseball, mais en tant que personne aussi, fait Ouais, que ça sert toute la vie, là. ouais. Écoute, parle-nous donc un petit peu de ton début de carrière parce que tu as signé ton contrat professionnel, tu as goûté un petit peu aux Blue Jays, la COVID est arrivée, tu as eu un début de carrière qui a été un peu off-road, comme on peut dire, là. Comment Non, tu as c'est vécu sûr. ça? Puis mentalement, comment tu as réussi à te garder la tête en haut de l'eau puis à continuer à grinder pour arriver à être prête à ta première saison que tu as vécue cette année, là? Mais exact, comme tu as dit, l'an passé devait être ma première année, ben pas l'année COVID en fait. J'ai pu seulement faire 2 semaines de spring training. Donc, j'ai comme goûté juste un peu, puis après, ça a été coupé court, comme tout le monde, bien évidemment. Fait que c'est sûr, ça n'a pas été facile. Comment j'ai fait pour réussir? Ben, tu sais, tu gardes ton objectif en tête, et je suis revenu à la maison, puis tout de suite, j'essayais de m'entraîner, continuer à garder la forme, continuer à, tu sais, à garder son objectif en tête, puis de savoir que ça va revenir. C'est sûr, ça, de jouer avec les Diamants aussi dans le Junior Elite, ça m'a permis d'avoir une saison. Fait que, tu sais, au moins, j'ai pu faire du baseball encore, puis avoir du volume de baseball. Ensuite de ça, l'hiver était quand même vite arrivé, fait que c'était, on recommence la préparation, puis on essaie le plus possible d'arriver prêt. Puis là, la passée, ça a été une vraie saison. Fait que je suis, au moins, là, je suis content. Puis là, c'est commencé. Puis vraiment dire, j'ai fait ma première saison professionnelle. C'est quoi la suite pour toi, là? L'off-season vient d'arriver, là, tu prends des petites vacances, tu relaxes, tu vas continuer de t'entraîner, j'imagine. C'est quoi la suite des Bon. choses? Donc là, je reviens du Instructs. Dans le fond, c'est comme un mois de ligue après la saison pour OK. donner plus de playing time parce que j'ai été blessé aussi durant ma saison. Fait que je suis resté là un mois d'extra. Donc là, je viens de revenir. Je vais prendre. J'ai déjà pris une semaine cette semaine, absolument rien. Mais là, cette semaine, après le podcast, je retourne dans le gym, commencer à bouger tranquillement, juste pour pas garder le corps qui fait rien. Les Blue Jays envoient des programmes d'entraînement. Fait que je vais faire ça pendant 2 semaines, puis après ça, je vais recommencer Baseball Activity, puis je vais commencer à m'entraîner plus intensément dans le gym. Donc, c'est pas mal ça que ça va pour moi, là. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas JC Masson, là, c'est un grand gaillard de quoi? CC4, CC5 à peu près, JC, là? 6-4, 6-4, 6-3, 6-4. Ouais, un gros bonhomme qui avance vite, qui lance fort, qui frappe fort. Fait que c'est une pièce d'homme, c'est tout un athlète. Toi, tu ne peux pas rester inactif trop longtemps, JC, j'imagine. Tu as le goût de bouger, là. Non, moi, ouais, puis j'aime pas ça. Tu sais, là, ça fait déjà 5 jours que je suis dans ma chambre à écouter des vidéos YouTube, puis c'est le fun, là, mais à un moment donné, moi, je veux bouger, puis je veux sentir que je suis en train d'améliorer. Fait que j'ai déjà hâte de retourner dans le gym, puis de bien me préparer à l'an prochain des jeux. Ouais, pendant qu'on parle de gym, l'installation des Blue Jays là, qui est tout nouvelle, là, tout belle, qui ont changé tout le où ce que spring training a lieu à Dunedin, que ça a l'air, ben, en réalité, quand tu es là sur place à tous les jours, c'est quoi tes impressions sur le nouveau centre? Ah, honnêtement, c'est d'une chose de le voir en vidéo, mais d'arriver là et de le voir pour vrai, c'était incroyable. C'est gros, tu vois tout l'investissement, il y a des petits détails aussi. À chaque matin, quand j'arrive là, je me dis, OK, je suis chanceux d'être là parce que selon moi, c'est le meilleur complexe de développement dans tout le minor league baseball. Fait que, non, c'est vraiment une chance qu'on a. Puis aussi, ça montre que l'organisation à care pour ses joueurs. Tu vois l'argent qu'ils mettent, le temps qu'ils mettent dans le développement de ses joueurs dans les ligues mineures. C'est encourageant aussi de voir ça, de voir que l'organisation met autant d'investissement là-dedans. Fait que, donc, c'est vraiment incroyable comme le gym est immense et on a des piscines froid chaud pour notre recovery. T'sais, on a tout ce que tu peux penser là-bas. Donc, c'est vraiment incroyable. Les gens qui regardent le baseball peuvent un peu s'imaginer ce que ça a l'air la vie d'un professionnel dans la MLB, la vie d'un kid rookie là, qui monte les marches tranquillement. Ça a l'air de quoi une journée typique pour toi? Ouais, une journée typique, comme je dis, vraiment, moi j'habitais dans une chambre d'hôtel avec Nicolas Deschamps, justement, qui est Oui. un autre Québécois qui a signé pro. Donc, notre journée typique, on se lève vers 6h30, 7h. Moi, j'avais la chance d'avoir ma voiture là-bas. Sinon, il y a un autobus qui te transporte à l'hôtel. Donc, tu arrives au complexe, il y a le déjeuner fourni là-bas. Ensuite de ça, on a une pratique le matin de, je dirais, 2h, 2h30. Donc, on a un lift en musculation. Après ça, on va dans les cages de frappeurs. On travaille sur nos swings. On a de la défensive, throwing program. Souvent, on a des meetings le matin aussi sur peu importe la nutrition, des sujets variés. Après la pratique, on dîne. Puis moi, dans ma ligue, nos matchs étaient à midi. Donc, tu joues de midi à peu près jusqu'à 3h, 3h30.
Après la game, c'est recovery. Donc, ça, ils sont super gros là-dessus, de prendre soin de son corps parce que la saison, vous savez, une saison, c'est long, puis il faut prendre soin de son corps. Fait que la journée finie après ça, vers 5 heures, on retourne à l'hôtel, on regarde le baseball, on prend, on mange, puis c'est ça à chaque jour, tu commences. Puis c'est routinier. J'appellerais Okay. ça comme routinier, mais ça fait partie de la game. Et puis moi, je suis correct avec ça, puis j'aime ça, ce lifestyle-là. Une petite question rapide, c'est qui travaille le plus fort entre toi et Nick Deschamps? Parce que Nick Deschamps, c'est un Oh, cheval, là. je C'est un répondrai pas à cheval. cette question-là tout de suite. Ça va être au monde de juger. OK. Mais j'ai hâte que tu viennes à Québec pour qu'on s'entraîne dans le gym ensemble. On s'entraîne ensemble. Fait que là, je pense que c'est là qu'on va le voir qui va pousser le plus fort. OK, ça va être intéressant. Dis-moi donc, il y a Ouais. une super bonne nouvelle qui est sortie dernièrement. Les équipes professionnelles vont être obligées de payer ce qu'ils appellent le housing, donc le logement des joueurs. Ça fait une grosse différence, hein, pour un joueur des ligues mineures de se faire payer le logement parce que la chambre d'hôtel dans laquelle tu habites, le monde pense que c'est gratuit. Non, faut que ta paye est retirée de ta paye, hein, chaque fois que tu la reçois. Donc, Ah ça ouais. va faire une bonne différence. Ah, exact. Puis pour tous les joueurs des ligues mineures, tout le monde est vraiment content. Puis je pense que c'était le temps aussi que les joueurs reçoivent de l'aide comme ça. Dans le fond, c'est juste plus d'argent dans nos poches. Comme tu dis, on ne va plus avoir à payer notre hôtel. Puis même dans les niveaux plus hauts, c'est des appartements, là. Il y a des gars qui se font encore là. Puis il faut que tu sois dans le stress de trouver un appartement vite. Tu ne sais pas trop comment tu vas faire. Puis ça, il n'y a pas tout le monde qui a des bons. Bonne signature non plus, ça c'est direct de la paye, puis la paye qui est déjà pas immense non plus, là. Donc non, c'est vraiment un pas dans la bonne direction, je dirais. Ouais, on est Ah. complètement loin du million par année, là. Non, c'est Puis ça. tu es juste Ouais. payé quand tu es avec l'équipe, donc tu es payé 6 mois par année, c'est ça, Puis JC? c'est juste in-season, spring training, t'es pas payé, rien. Le instruct, t'es pas payé, rien. C'est juste quand tu joues des matchs. Fait que, Il non. t'attend. Pour vrai, tu disais tantôt, ils s'occupent de leur jeunes, de leurs joueurs. Je pense que ça, c'était un pas nécessaire là, Ouais. à travers la ligue. Puis, Puis. j'allais dire, tu sais, les Blue Jays, justement, c'est une des meilleures organisations. Fait que j'imagine pas. J'imagine qu'il y en a certains qui sont pas comme ça. Ça doit être encore plus Ah ouais. dur pour les joueurs. Je le sais pas, mais ce que j'entends parler, c'est que nous, on est vraiment bien traités. Fait que je sais pas dans les autres organisations, mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir de l'aide comme ça. L'année Tant mieux. prochaine, là, tu viens de finir ta première saison, comme tu disais, l'entraînement, tout ça. C'est quoi tes ajustements pour l'année prochaine? Tu t'attends à quoi, toi, personnellement? Donc, comme j'ai dit, j'ai été un petit peu blessé au bras durant mon été. Puis ça, je veux vraiment prendre soin de mon bras puis être sûr de revenir en santé. Première chose la plus importante, être en santé. Deuxièmement, j'ai quelques ajustements à faire sur mon swing. Donc j'ai parlé avec les coachs là-bas. C'est des détails techniques, mais c'est l'angle de mon bâton. Tu sais, c'est des affaires compliquées un peu, mais on pense que certains petits ajustements, ça va me faire. Je suis pas loin de cliquer, puis ça va me faire décoller l'année prochaine. Fait que je vais vraiment travailler là-dessus. Puis dans le gym, continuer à être un athlète, pas juste focusser sur le vélo. Je pense que ce qui est le plus important dans les années à venir, ça va être de contrôler mon corps, d'être mobile, puis de bien bouger. Pas juste me focusser sur lever, squatter le plus de plates possible. C'est pas ça, je pense, qui va me permettre de performer sur le terrain nécessairement. Ça m'intéresse, JC, ton bat un petit peu. Il parle qu'il y a trop d'angle dans ton bat ou il n'y a pas assez d'angle dans ton bat? Dans le fond, je peux l'expliquer, là. On a des. Ils mettent des sensors sur nos bats. Ben, je l'ai. Ils mettent des sensors sur nos bats. OK. Ça calcule plein de différentes statistiques. Ouais. La statistique qui parle, c'est le vertical bat angle. Donc, l'angle Ouais. à laquelle ton bat rentre dans la zone. Fait que ça, c'est un angle super flat. Ça serait plus vertical. Mettons Mike Trout, il est très vertical. Moi, ils veulent que je le rende un petit peu plus flat. Parce que souvent, mes misses, c'est dans le haut de la zone, puis je manque des pitches que je n'aurais pas manqué. Mais les pitches bas dans la zone, je les crush, mais quand c'est plus haut, j'ai plus de misère. Fait que juste de rendre mon bat un petit peu plus flat, ils veulent que je me rende à un certain degré précis. Donc, c'est ça le gros ajustement que je vais faire, puis que je vais me concentrer sur l'hiver. Nice. Écoute, Donc, j'ai Max, juste comme ça, ouais. juste les gens qui te connaissent pas, parce que là, on parle de ton bat, on parle de ton bras, tu sais, les gens qui te connaissent pas, là, tu joues quelle position? Puis, tu sais, parce que ton bâton, tu sais, nous, on le sait, là, mais des fois, il y a des gens qui nous regardent, tu sais, comment ah, il joue quelle position? Ton bras devient très important à ce moment-là, puis ton bâton également, là, mais je te laisse aller un peu là-dessus, ton développement aussi à ta position. Ouais, ben moi, je suis un champ de corner, donc champ droit, champ gauche. Donc, c'est sûr, mon bras, comme tu dis, ça va être important. Puis aussi, il va falloir que je frappe là, si je veux me rendre loin. Donc, c'est ça, champ droit, champ Est-ce que gauche. tu vises une des deux places? Parce qu'habituellement, tu sais, les champs droits, c'est ceux qui ont un meilleur bras, habituellement, Ouais, là, mais. ben
Ils m'ont utilisé la majeure partie depuis le début dans le champ droit. J'ai peut-être joué 3-4 manches pour dépanner dans le gauche. Fait que je pense qu'ils me voient plus dans le champ droit. OK. Ouais, puis c'est un bon, je pense que c'est un bon fit pour toi aussi Ouais. d'être là, là. Ouais. Souvent, tu sais, ce qu'on connaît le plus, c'est le blast, mais de ce que j'ai vu, c'est pas le blast que tu as. Ça se peut-tu? Non. C'est quoi C'est le nom? un Diamond Kinetics. OK, ouais. Ça donne que je l'avais sur mon bureau, fait que j'ai pu te le OK. montrer, là. Diamond Mais ça, c'est. Kinetic, OK. Ouais. Ça, Good. c'est juste la marque qui est différente ou c'est deux Ouais. choses différentes? Moi, ouais, c'est la marque. C'est deux choses différentes, là. C'est comme un OK. Toyota ou un Honda, là. C'est deux choses qui sont différentes. C'est les deux, c'est des voitures, mais c'est deux choses, deux compagnies différentes. Diamond Kinetics, ils font leurs propres affaires. Blast font leurs propres affaires. Les Astros sont avec Blast. Là, je vois que les Blue Jays sont avec Diamond Kinetics. C'est Mais deux très bons produits. est-ce que ça fait la même chose ou il y a des différences? Sensiblement la même chose. Ouais, OK. Ouais, sensiblement la même chose. Super intéressant pour ton bat. Puis, tu continues à travailler avec les gars à Québec comme Osoué Pelé pour ton bâton ou on Ah, change t'es encore d'environnement un en train peu? de. Ce qui est touché rendu là, puis c'est que j'ai des coachs de frappeurs avec les Blue Jays, puis il y a des coachs à Québec que j'ai travaillé depuis que je suis petit. Ouais. Fait que là, ça va être de trouver la balance, à ne pas avoir deux opinions, puis tu sais, ça peut être vraiment mêlant. T'sais, ultimement, mon but, c'est que ça soit moi, mon propre coach de frappeur. Puis plus je grandis, plus je comprends ce que je dois faire, plus je comprends ce qui est important. Fait que c'est sûr que je vais frapper avec lui, puis on va encore commencer des BP, tout ça. C'est sûr, c'est ouvert, mais je veux de plus en plus prendre ownership de mes pratiques au bâton. Puis je pense qu'en me connaissant moi-même, c'est ce qui va. Parce que tu sais, dans ta carrière, tu vas en avoir peut-être 15-20 des hitting coachs. Là. Tu peux pas tout le temps te fier à ça. Donc, moi, ouais, j'essaie de. Plus faire ça de maillot, mais c'est sûr que je vais frapper avec quand même des fois. Tellement pertinent, JC, ce que tu dis là. Tu sais, puis je le vis à petite échelle avec les gars de l'ABC, là. C'est quand, puis j'ai pas à faire ça, puis à pas être dépendant du feedback que je vais leur donner quand j'ai coach. Soyez votre propre coach. Puis un qui est super bon là-dedans, là, puis tu l'as croisé à B45, c'est Abraham Toro. Abraham Toro, là, il a beau se faire donner des conseils, il va toujours être gentil. Il va écouter, il va entendre ce que tu dis, mais à la fin de la journée, c'est lui son coach, c'est lui qui va décider s'il change de quoi, s'il ne change pas de quoi. Il a le feel de ce qui se passe au bâton. C'est hyper pertinent. Puis, JC, tu as les capacités puis tu as l'intelligence pour être ton propre coach. Moi, je te souhaite de continuer dans cette direction-là. Ça va t'aider au maximum. Puis, ça va t'empêcher de te mêler parce que tu l'as dit. Tu as 6-7 coachs dans ta carrière qui t'indiquent des affaires. Il y en a certains qui te disent hey, ça, c'est pertinent, je vais l'essayer. Mais il y en a d'autres qui te disent ouf, on est d'aller 1000 à la ronde de ce que j'essaie de faire. Je ne suis pas sûr que ça va m'aider, ça va plus me mêler. C'est ultra pertinent, JC, ce que tu viens de dire là. Ah, 100%, puis Est-ce que tu as la chance de faire du vidéo sur toi-même? oui, moi j'adore faire du vidéo, j'adore pratiquement à chaque fois que je swing, je veux filmer pour voir, pour être sûr que mes mouvements sont corrects. Moi, je suis moins un gars de feel. Il y a des gars qui sont plus feel, puis qui arrivent dans la cage, ils se sentent bien, puis OK, c'est correct. Moi, j'aime ça savoir, je sais ce que je cherche sur mon vidéo, je me filme, puis quand je sais que c'est là, après ça, je peux aller compétitionner. Moi, ça m'aide mentalement, donc peut-être c'est différent. Moi, j'aime ça beaucoup me filmer. Oui, ben ça, je dis ça, puis Max, je poursuis un peu ce que tu as dit sur le bâton, mais un gars comme JD Martinez, qui, au moment qu'il était avec les Astros, avait beaucoup de difficultés, les Diamondbacks, tout ça, avait beaucoup de difficultés. Il est arrivé avec les Red Sox, a explosé évidemment avec eux, mais on a vu avec l'année de pandémie, il n'avait pas la chance de voir chaque présence au bâton à cause de ce qui est arrivé avec les Astros. Il ne pouvait pas aller en arrière, voir chaque présence. Puis il y a eu une année, il a frappé à peine pour 200. Lui, c'en est un qui était vraiment comme voulait voir chaque présence, chaque petit détail. Puis là, il fait cette année, puis il a connu une grosse saison. Fait que j'imagine un peu comme tu disais qu'Abraham, que c'est des gens qui ont besoin de se voir régulièrement, contrairement à d'autres qui vont avec le feeling. Tes objectifs 2022, ça ressemble à quoi? Ah, écoute, honnêtement, premier objectif, comme j'ai dit, d'être en santé. Parce que quand tu es blessé, tu ne peux pas être sur le field. Quand tu n'es pas sur le field, tu ne peux pas monter de niveau. Fait que ça, c'est mon Clairement. number one. Mais tu sais, c'est sûr que là, mon objectif, moi, j'aimerais ça monter peut-être dans le low. C'est sûr, moi, je veux avoir des objectifs hauts. Puis je pense que si je me prépare bien, puis je fais les ajustements demandés, puis j'arrive au spring training, puis ça clique. Tu sais, des fois, ça commence à cliquer, puis ça va bien. Puis je montre que. Ça va comme ça, mon développement. Je pense que j'ai peut-être une chance de monter. Puis sinon, c'est pas grave, mais c'est quand même sur vers ça que je veux travailler. Puis c'est mon but, c'est monter de niveau. Oui, effectivement. Tu es quand même un des jeunes dans l'organisation parce que tu as signé en bas âge, là. Tu avais quoi, 17 ans? Ou tu n'avais même Ouais, pas encore 17. 17 ans? J'avais 17. Je suis encore jeune, j'ai 19, mon année 19 ans, mais je pense quand même que c'est atteignable. Ben Dasan oui. Brown, qui était un choix de troisième ronde, il est monté cette année à 19 ans.
puis qu'il a une saison correcte. Je pense que je suis capable de faire comme lui. Puis sinon, pas grave, mais je veux faire ça, puis c'est mon objectif. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Là? Bon, tu rentres en off-season, on se prépare, on est à Québec. À quel moment tu penses quitter vers la Floride? J'aimerais ça quitter un petit peu vers mi-février. Okay. Le spring training commence environ 1er mars, mais j'aimerais ça arriver 2 semaines plus tôt pour commencer à m'entraîner là-bas, me refamiliariser avec la chaleur, l'environnement là-bas, les types de journées qu'on a là-bas pour pas arriver spring training day one, puis c'est comme un choc. Fait que j'aimerais ça arriver plus tôt puis être prêt. Donc, mi-février environ. C'est quelque chose que des gens aussi pourraient sous-estimer. Hein? On arrive en chaleur, il fait beau, ouais. Comme en République dominicaine. Puis non, c'est pas de même. Là. La chaleur, elle t'étouffe. Puis quand tu n'es pas habitué, tu l'as vécu comment, toi, cette année, de débarquer, de sortir de ta COVID au Québec, puis de sortir en Floride, puis de revivre la chaleur, quelque chose qu'on n'est pas nécessairement habitué. Comment tu as vécu ça, toi, cette année? Ça a-tu bien été? Mais surprenant, oui. Je m'attendais à pire, puis j'ai pas eu de problème relié à ça. Maintenant, j'étais capable de bien dealer avec ça. C'est sûr que la nutrition, l'hydratation, tout ça, ça va être super important, mais je pense que j'ai bien fait ça, donc ça n'a pas été un problème pour moi, la chaleur. Si tu montes de niveau l'année prochaine, c'est-tu sur le même site ou il faut que tu changes? C'est juste à côté, c'est à 15 minutes, c'est au Dunedin Ballpark, dans le fond. Le off-hab est à Dunedin, c'est 15 minutes, mais il reste au stade, dans le locker room au stade. Puis le rookie ball, nous, on est au complexe de développement qui, comme je dis, sont à 15 minutes de route environ. OK, fait que c'est vraiment, il n'y a pas une grosse différence. C'est pas non. Comme si t'allais. Ouais. Ouais. C'est très. Y a-tu quelqu'un cette année qui t'a joué à ton niveau, soit dans ton équipe, t'as fait comme, ouais, ce gars-là, il s'en va en haut, là, ou peut-être quelqu'un que t'as affronté cette année, quelqu'un qui t'a vraiment impressionné? À notre niveau, quand les joueurs des majors sont blessés, ils viennent en rehab avec nous. J'ai vu Nate Pearson, j'ai vu Barucci, j'ai vu Thomas Hatch, j'ai affronté une couple de fois. Et j'ai vu Julian Merriweather aussi que j'ai affronté. Ça m'a striké facilement. Mais ça, c'est un détail. Puis aussi, un que j'ai vu, que j'ai joué avec, c'est Gabriel Moreno, qui est number one prospect dans les Blue Jays. C'est un catcher. Puis ça, ce gars-là, honnêtement, il va jouer dans les Bigs l'année prochaine, je pense. Ou si pas l'année prochaine, dans 2 ans, là, mais il est different. Okay. Je pense qu'il a frappé, il a joué 3 matchs, il a frappé comme 7-9. Trop facile pour lui. Puis j'ai jamais vu des bat-to-ball skills aussi bons de ma vie. Honnêtement, il est vraiment, vraiment incroyable. Super intéressant. Ça, parce que les Blue Jays ont un paquet de receveurs. Ouais. Puis j'ai entendu qu'il était probablement pour y faire une place à ce gars-là, mais tu confirmes que le talent est là. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est. Sont comment les pros quand ils reviennent faire leur rehab avec vous autres? Je sais que d'habitude, il y a comme ils payent la bouffe, ils payent une coupe d'affaires. As-tu la chance de vivre ça avec une coupe de gars qui ont redescendu? Mais ils sont tous différents, mais ça va avec leur personnalité, mais ils ont tous été super gentils. Puis exactement comme tu dis, quand ils avaient fini leur rehab assessment, ils payaient, mettons, une pizza à tout le monde ou la bouffe latin pour les latins quand c'était des jours latins. Fait que tous super gentils. Il y en a qui sont plus dans leur bulle, qui font leurs affaires, ils se mêlent pas aux autres. Il y en a qui parlent, il y en a qui jasent avec tout le monde, qui donnent des conseils. Mais le main, l'affaire commune à tout le monde, c'est tout respectueux puis tout gentil de l'organisation. Puis, c'est des pros. Tu sais. C'est quoi la grosse différence? Parce que tantôt, je ne vais pas revenir là-dessus, tu as dit que tu t'es fait striker facilement, mais c'est quoi qui fait que la coche entre ceux qui ne te strike pas facilement et ceux qui peuvent avoir un edge sur toi, c'est quoi qui est frappant? Ben, on a rendu à ce niveau-là, c'est beaucoup tes secondary pitch. Là. Il y avait trop de contrôle sur sa slider, puis ça bougeait partout, puis il faisait ce qu'il voulait avec. C'est pas tellement la vélo, parce que la vélo, tu commences à en avoir chaque jour. Fait que c'est plus la vélo qui est impressionnante tant que ça, c'est vraiment le stuff, puis à quel point il y a de contrôler. Puis les lanceurs des ligues majeures, ils font ça. C'est pour ceux qui sont dans les ligues majeures, fait que c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de M. Deschamps un peu, comment a été sa saison? Hein? Oui, il est arrivé vers la fin. Lui, c'était soit en Stetson University ou joueur professionnel. Il y a eu une offre de dernière minute comme free agent, puis lui, il voulait vraiment jouer pro, fait qu'il a signé. Puis on est ensuite devenu roommate. J'avais un autre roommate, mais tu sais, je voulais être avec Nick, là, c'est un Québécois, puis je le connais, j'ai joué avec Max, je le connais aussi. Ouais. Donc, mais ça, c'était vraiment cool. Ça a donné un boost aussi d'énergie pour finir ma saison. On faisait tout ensemble. J'ai comme montré aussi comment que l'organisation faisait ça, puis je pouvais lui montrer déjà un peu l'aider à rentrer dans le Pro Bowl. Puis non, c'était super cool. Puis là, en ce moment, lui aussi, s'est blessé. Il est encore en rehab là-bas pendant 2-3 semaines. OK.
Puis après, il va revenir, puis on va s'entraîner ensemble tout l'hiver, puis se préparer pour la prochaine. Ouais, deux gars de Québec, c'est le fun. Vous rejoignez dans l'organisation, tu peux l'avoir comme roommate, puis c'est un gars qui travaille fort aussi. Fait que, exact. Non, c'est une bonne nouvelle, c'est cool pour vous deux, là. Nice. Je t'ai vu la semaine passée, tu es allé à Québec justement parce que tu étais là, mais allé à B45 avec une couple de Québécois, dont Abraham, Charles Leblanc. Tu as suivi la fin de saison, j'imagine que tu as vu Abraham avec l'échange, tout ça, là, l'explosion qu'il y a eu. Es-tu pas impressionné, là, mais es-tu surpris de son explosion de fin de saison depuis l'échange? Ben, honnêtement, pas surpris parce que, tu sais, oh, il est toujours l'éthique de travail incroyable, puis on le connaît, mais je suis surpris un peu, c'est cool de le voir exploser de même, puis que ça finisse fort comme ça pour lui. Parce que tout le monde est content de voir comme ça un Québécois qui a du succès dans les ligues majeures, puis je pense que c'est excitant pour lui, puis c'est excitant pour son futur, puis non, j'étais juste vraiment content de voir ça. Là. Puis même pour toi, j'imagine, là aussi, là, ça veut dire, tu vois les Charles Leblanc, puis tu vois les autres qui montent aussi. Là, toi, tu vois que tu as ta chance aussi si tu travailles fort. C'est cool. Il y en a de plus en plus, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu suis un peu la série mondiale? Ouais, ben oui, c'est sûr. Ouais. Écoutez le match hier, j'imagine. T'as-tu une préférence? Honnêtement, pas vraiment, mais j'ai tendance à plus prendre pour les Braves, justement, parce que Toro s'est fait échanger. Puis il n'est plus avec eux. Fait que je sais pas. J'ai tendance à prendre plus pour les Braves, mais pas vraiment de parti pris, là. C'est juste le fun de regarder du baseball de même. Puis aussi moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir à quel point les gars sont. Ils compétitionnent. Les lanceurs, quand ils finissent la manche, puis ils sont hype, puis ils crient, puis l'émotion, je trouve ça incroyable d'avoir ça. Là. C'est Ouais, inspirant. ça, drivé par la foule, là, c'est 40 000 personnes qui crient comme des malades. C'est Tu sais, fou. L'adrénaline doit être fou. je suis sûr que tu as hâte de vivre ça puis que tu vas le vivre un jour dans ta vie. Hein. Je te le souhaite, JC. Ouais, on souhaite tous. J'espère. C'est assez fou. Puis, tu sais, tantôt, tu en parlais au niveau des blessures, puis comment c'est long une saison. On voit, rendu en série mondiale, les lanceurs lancent à peine un tiers de manche, les lanceurs partant, deux manches. C'est vraiment court. Tu sais, comment est-ce que. Essaye d'expliquer aux gens un peu comment, parce que j'ai vu beaucoup de critiques envers ça. Les lanceurs sont plus capables de lancer, mais tu sais, comment c'est tough une saison, puis comment c'est demandant de lancer autant de manches, autant de games, puis d'arriver en série, puis de performer autant. Ah, je pense, comme tu dis, les gens ne peuvent pas vraiment comprendre tant que tu ne le vis pas. Là, c'est vraiment à tous les jours, des journées presque de 10 heures qui sont dures sur le corps, puis surtout sur le bras, le stress est incroyable. Fait que c'est sûr que c'est difficile à comprendre. En même temps, c'est notre travail, tu sais, puis c'est leur travail d'arriver là, puis d'être prêt, de performer, puis justement, trouver des moyens d'être bon, même si la saison est longue. Mais tu sais aussi, je pense pourquoi ils font ça, c'est des petits détails, là, tu sais, peut-être. Un at-bat de trop que le lanceur est fatigué, puis c'est World Series, fait que ça peut changer comme ça. Fait que, parce que rendu tellement les détails sont importants que ça prenne pas de chance, j'imagine. Ouais, tu sais, Tout à quand tu fait. frappes dans le bas de line-up, là, puis que tu vas chercher 7-8 lancés, hein, puis que le huitième frappeur arrive au bâton, 7-8 lancés, tu viens de perdre 16 lancés contre le bas de l'alignement, il vire un coup sûr, c'est tough pour les lanceurs. Excuse-moi, particulièrement en fin de saison, parce que le citron est pressé, c'est là que les gérants sont vite à sortir leur partant. Fait que c'est aussi important en offensive d'avoir une bonne stratégie que de regarder comment que ton lanceur réagit, mais. C'est tellement bon ces matchs de série-là où est-ce que ça va jusqu'en 9e manche, puis que tu as encore une chance d'en venir dans le match. Là, mais moi aussi, je prends pour les Braves à JC, je suis d'accord avec toi. Ah, right, parfait ça. Ouais, je suis d'accord avec vous autres aussi. Je prends pour eux autres, là. Mais bon. Hey, Ouais. JC, gros merci pour vrai. C'est une belle demi-heure. Je pense que les gens qui ne connaissaient pas ont appris à te connaître. Puis ceux qui te connaissent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé. Ou qui ont entendu parler, ben, je pense qu'ils sont bien contents. On a une couple de questions qui ont été posées. Mais Max, toi, Max, c'est tellement rapide que tu as posé des questions avant. Ah ouais, Mais j'y vois même pas. Je les ben ouais, vois même c'est pas en ça. plus. Exact. Ouais. JC, je te souhaite juste la santé pour la prochaine saison. Le reste, tu as ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Fait que reste en santé, puis have fun, puis tu vas atteindre tes objectifs, je suis sûr. Ben, merci beaucoup les gars, c'est super apprécié, c'était le fun, puis je vous souhaite la meilleure aussi, puis lâchez pas votre podcast, c'est super cool. Super, merci Merci. beaucoup, JC. All right. Merci d'être là, Salut. merci tout le monde. On se revoit mercredi, Max, et on a Jeff Arsenault, si je ne me trompe pas. Sylvain, non, Sylvain Saint-Don, Sylvain mercredi. Chalon, Ouais. Merci tout le monde, salut. bonne semaine.